Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Un continent pour un empire. Nous étions en guerre contre Kaffa et on voit que l'Ottoman s'était dit pourquoi pas en profiter. Le problème étant, c'est qu'il va manger des territoires, de toute façon on va être frontalier de l'Ottoman, c'est indéniable. Ça risque d'être... Bon, il nous reste à peu près 80 ans, à peu près. 80 ans. Pour manger, bon, en somme, il va falloir donner des priorités et arrêter de se diversifier, si j'ose dire. Une petite seconde, voilà. Typiquement, la première chose étant faire des guerres utiles et pas des guerres inutiles. Là, exemple, là, l'Espagne, on s'en fout. Plus rien n'est espagnol en Afrique. Puisque je vous rappelle que pour avoir le succès, African Power, il ne nous faut pas les Canaries, pardon, voilà, j'ai réussi à les prononcer. Les Canaries, il nous faut par contre le Cap Vert, voilà. Il nous faut bien évidemment tout ce qui reste en Afrique, ça c'est indéniable. Il nous faut également Sainte-Hélène, le sud du Cap, le reste de Madagascar, évidemment ces petites îles. Donc une guerre contre le Portugal sera une obligation même, si j'ose dire. Direct contre le Portugal, j'entends. Par contre, ça veut dire qu'il faut débarquer chez nos amis portugais. Ça risque d'être un peu plus sportif. Mais bon, ça, on verra bien. Ensuite, tout le reste de l'Afrique jusqu'au Maghreb. Ça va être sportif. Mais, comme on va devoir grossir de façon dégueulasse et totalement dégueulasse, encore une fois, si j'ose dire, on va débloquer... Ah, bah non, bah c'est bien, j'ai été intelligent. Je suis content, là, pour une fois. On va prendre ça. Clairement, on va maxer les points à ce niveau-là et on va garder les points comme ça, c'est pas trop mal. On gagne de l'argent, on va peut-être le level up, le monsieur. Paye 700 balles, on gagne combien par mois? Je vais laisser un mois tourner quand même parce qu'on va devoir manger. Parce que là, j'ai fait une petite simulation. On a l'objectif de guerre, nickel. On pourra pas manger plus que ça parce que là, comme vous voyez, surexpansion. Ouais, surexpansion, voilà, de 98%. Or, j'ai pas envie de dépasser les 100 parce qu'au final, on va perdre 3 ans à gérer les rebelles et on pourra pas avancer. Donc, tout ça pour une ou deux provinces en plus, c'est dérisoire. Et il faut qu'on termine ça auparavant. Donc, on va terminer ça auparavant. Donc là, on fait le tri, c'est très bien. On va construire des bateaux, je crois que je l'avais fait au dernier épisode, si je ne m'abuse. Est-ce que je m'abuse ou pas? Non, je ne m'abuse pas. Et on peut augmenter notre limite terrestre, fort bien. Donc, faisons cela. Toi, à la rigueur, tu vas protéger le commerce en Côte d'Ivoire. T'as amélioré, donc va protéger le commerce en en Côte d'Ivoire, c'est nickel. Côte d'Ivoire, ok. Tu te trouves plus au port en cas de pépin. Reprenons ici. Il va se foutre au port, en théorie, s'il n'est pas absurde. Voilà, très bien. Mets-toi au port, améliore-toi. Est-ce qu'on en avait créé des états? Oui, on a dû mettre des états ici dans le nœud de Zanzibar quand même. On n'a pas été aussi absurde que ça, je suppose. Bon, là, on est en train de le légitimer, donc il n'y a pas de sujet. Fort bien, fort bien, fort bien. Donc, ouais, il va falloir qu'on y aille quand même. Là, ce qui me fait peur, c'est vraiment la Toscane. Bon, on pourra peut-être pas tout... Si, c'est territoire moisi. On pourra tenir. Hein. Si on fait une revendication là-dessus, ça devrait passer, sachant qu'on en a déjà une. Et en plus, une guerre sainte. Guerre sainte, franchement, il faut qu'on gagne des batailles. Plus de 10%. Et aller chercher les batailles. Parce qu'ils sont tous en... On aura des débarquements de la Grande-Bretagne et tout ce qui s'ensuit, ça c'est sûr. Mais bon. Par contre, on n'a plus d'alliés. On n'a plus le Maroc en tant qu'allié. Ça me... Pourquoi tu n'as plus d'alliance? Ah, on est en guerre. Oui, bah tout de suite, les grands mots. Hein, on va se calmer. Tiens. Je t'envoie quelqu'un pour te cirer les basques. Bon, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire. On va laisser le jeu se recalculer une fois. Voilà, conversion terminée. Importation, oui, ok, si tu veux. Continuons à Kilwa. Je t'ai vu, t'es là. T'es au marchand, t'es sunnite. T'es pas content. Ok. Par contre, Eddie, oui,
là-dedans, bah, il reste plus qu'il voit, mais ça va être quand même plus meilleur bien. Voilà. Donc faisons cela. Fort bien. Ensuite, on peut construire tout un tas de choses. Des grands temples, du commerce peut-être quelque part intéressant. On n'a quasiment plus de dépendance. Des manufactures. Ouais, allez. Ah oui, et en plus, attendez, je me souviens plus très bien. Non, on avait eu le. Ouais, on l'avait eu, c'est bon. Donc on n'a plus des 10 moisis qui traînent, rassurez-moi. Non, hormis ici, mais là c'est normal. Donc ok, bon, il va falloir purger tous ces différents problèmes qui sont présents. Donc faisons-le rapidement. Et il va falloir aussi construire des forts, ça aussi, ça va être chiant au possible. Allez, loot. L'Ottoman veut passer parce que t'es en guerre. Je refuse. Et on va devoir mettre des forts. Ici, c'est bien de mettre un fort ou pas? Non. Ici, c'est peut-être mieux. Ouais, mais ça verrouille pas là. Là, non, ça verrouille pas là. Et de toute façon, ils peuvent passer. Ah, là, ça a le mérite de verrouiller rien du tout. Très bien. Celui-ci, d'accord, nul. Celui-ci, peut-être. Putain, mais il y a. Donnez-moi un fort défensif intelligent. Celui-ci. Voilà, celui-ci verrouillera là et là, mais les gens pourront passer par là. Donc c'est de la merda. Bon, il va falloir construire 20 000 forts contre l'Ottoman. Hein. Super, on va s'éclater encore une fois. Voilà, un général qui bouge vite de préférence pour aller les pécho, les messieurs. Voilà, allons là, allons là, allons là, allons là, pour éviter tout problème. Est-ce qu'on peut entrer dans notre. Ah, on pourrait entrer dans notre âge d'or, et ça, c'est bien quand même. Avoir une dépendance, un parlement, on n'y est pas. Contrôler deux institutions, c'est mort. Discipline élevée, mais. On y est ou pas dans la discipline élevée? On a terminé tout ce qui est diplôme. Donc là, moi, ce que je propose de faire, c'est mettre une culture en avant, à savoir celle-ci. Donc la culture, alors je vais regarder la carte des cultures brièvement. Culture, c'est la culture. Ouais, c'est celle-ci en fait. Qui représente quand même 22%, quoi. 10%. Ouais, de toute façon. Et on a de la place, donc faisons-le. Hop là. Comme ça, on a mis une culture en avant. Et pour convertir, ça sera encore plus rapide. Voilà. Voilà, culture mise en avant. Donc conversion un peu plus meilleure, bien peut-être. On verra bien pour ça. Bon, vous voyez ici, ça reste quand même un fucking boulevard. Voilà, continuons les conversions. Très bien. Bon, tu veux la paix, mais moi, comme je t'avais dit, c'est comme je veux te manger entièrement. Pourquoi j'en ai construit un là de bateau? Bon, c'est pas grave. Tu vas aller protéger le commerce du coup en Aden, ça pourrait être intéressant maintenant de commencer à tirer. Hein, parce qu'il y a 15 balles qui partent et on a 30%. Bah oui. Ça pourrait être intéressant. Bon, pour l'instant, tu vas rester là, tantôt. Ouais, donc en fait, t'as décidé juste de me casser les coronesses. Est-ce que c'est ça le deal? Oui, ça l'est. Ça l'est. Bon, il faut vraiment que ça se trace, ça aussi. C'est d'une lenteur. Mon Dieu, quoi. Et on prendra la marche forcée quand on le pourra. On va continuer à combler les trous. Hein. De toute façon, au bout d'un moment, il faut qu'on y aille. Genre pour choper ça, ça peut être pas mal. Allez, envoyons les gens. Voilà. T'as des troupes là? Ok. Je pense que 2 gus, c'est largement suffisant. Allons là, va là-bas, amuse-toi. Les révoltes vont péter, bien évidemment. Où ça? Ah. On. Rassurez-moi, c'est dans le coin, un coin où on a. Non? C'est où exactement? C'est dans un an, c'est à tout. Bon, on va regarder celui-ci, c'est plus rapide à écrire. Voilà qui est fait. Ok, c'est au nord. Fort bien. Et l'autre, où est-il? T'as où? Celui-ci, je crois. Ouais, d'accord, c'est vraiment au nord. Ok, très bien. Donc l'armée, migration vers le nord. Fort bien. Donc, on fait ça comme ça, très bien. Bon, évidemment, on va se taper un bon gros stack-wipe, peut-être si on met la marche forcée. Peut-être si on met un commandant.
Non, on va se taper. Ce sont des montagnes. On a un commandant. On va ramener les troupes. Voilà. On va les ramener ici aussi. Et vers le nord également. Voilà. Allez. Faisons ça comme ça. Pour l'instant, ça va. Putain, mais qu'est-ce que ça prend du temps, bordel, quoi. Allez, tenez les gars, on arrive avec des renforts. Encore un tout petit coup. C'est bon, on est là. Alors, 10 de prestige, répute diplo, moins cher. Ouh, ça, ok. Répute diplo. Ouais, plus 3, c'est ça? Moins cher? Ouais, prenons. 10 en prestige, c'est du prestige, comme j'avais dit, ça va, ça vient. Donc, faisons cela. Station diplomatique. Voilà, comme ça, on est à 10, 10, 10, c'est très bien. Voilà, comme ça on règle ce problème-là. Toi, je sais pas où tu vas aller, mais on va aller te dire bonjour. Il faut attendre que ces légitimations se terminent. Toi, va vers le sud. Toi, converge tous par là. Toi, va là. Toi, va là. Ok, pour ça, on peut construire des. On a de l'argent, hein, ce que je vois. Ouais, on a de l'argent. Donc construisons un peu plus de forts que notre pays peut en compter. Ou améliorons déjà les forts. On peut pas encore. Manufacture, on avait regardé. De la prod du gouvernement. Du gouvernement, non. Commerce, bon écoutez, on va améliorer le commerce. Au Bénin, à Congo, c'est très bien aussi. Là, peut-être rester ici, c'est un peu débile. Ouais, ils remontent vers le nord, les messieurs. Toi, ils remettent le couvert. Alors, on a perdu un général, c'est pas grave. Là, ils remettent le couvert. Voilà, on va aller leur dire bonjour, comme il se doit. Ils se cassent, les pleutres. Alors toi, t'es regroupé. On va prendre un général. Alors toi, t'es le général qui a deux de siège. Ouais, ils ont tous les deux de siège. Mauvais plan. Bon, ça doit être celui-ci en théorie. Voilà, et toi, on va te dire bonjour. Ok, nickel. Et toi, on va aller poursuivre. Peut-être le fort ici, ça peut le bloquer. Ah là, là, normalement, il est bloqué. Marche forcée, j'en ai marre. On va arrêter la marche forcée du coup. Et là, on les attaque. Voilà, casse-toi. Voilà, les séparatistes ont. Putain, mais c'était. Perte de temps. Voilà, bon, les Ottomans vont s'amuser à les battre. Écoutez, faites-vous plaisir, les gens. Faites-vous plaisir. Nous, il faut vraiment attendre que ça se termine. Esprit de corps, 3 de professionnalistes. Très bien. Toi, tu vas aller là-bas. Et toi, tu vas aller là-bas. Voilà. Parce que là, il faut quand même bouffer toute l'Afrique et ça va prendre un temps monstre, quoi. Ah putain, l'Ottoman va en profiter pour prendre ça. Bah, de toute façon, on n'aurait pas pu aller jusque-là, mais ouais. Va falloir faire attention. Ouais, je sais, du séparatisme, en veux-tu, en voilà. Tu vas aller vers le sud, hein, c'est bien ça. Mais on va t'y rejoindre. Je pense que là, tu vas avoir. Voilà, c'est nickel. Alors, si on peut faire ça. Non, on peut pas, t'es déjà lock. Ah merde, bon c'est pas grave, on va faire ça, c'est dégueulasse, c'est pas grave, mais c'est juste pour les dégommer. Ah putain, mais c'est pas vrai, mais t'as combien de manœuvres? 4 de manœuvres, ok. Ah c'est bon, ça suffit pour te dégommer. Voilà, c'est bon. Non, pas encore, putain. Pire que la peste. Voilà. Nous allons y arriver, c'est ce qu'il faut se dire. Bon là il y en a 3 donc split. Toi tu vas là et tu vas là. Voilà. Toi tu remontes vers le nord parce qu'il va y avoir des révoltes. En veux-tu, en voilà. On pourrait faire aussi augmenter l'absolutisme. Est-ce que là on doit passer des doctrines? Je me souviens plus très bien. Les quantités à la rigueur, ouais, pourquoi pas. Les offensives, attrition, moins d'attrition terrestre, c'est toujours appréciable, c'est vrai. Ou baisser l'autonomie.
Mais on peut pas, je crois, on est en temps de guerre, c'est ce qu'on avait vu. Ouais, on peut pas. Donc là. Oh putain, alors toi, je vais tellement te rouler dessus. Alors tu vas là en priorité, s'il te plaît, et tu prends un général qui bouge vite. Voilà. Allez, prestement. Conversion terminée. Très bien. Le Mozambique, etc. Donc là, toute cette zone est propre. Très bien. Ensuite, où est-ce que ça peut coûter cher? Bah, où est-ce que ça nous prend? Haïr. Haïr, je crois que c'était dans cette province-là qu'on n'a pas étatisé, qu'on pourrait, mais qu'on va pas faire tout de suite, mais qu'on va envoyer une conversion comme ça. Voilà, ça c'est très bien. Putain, on a perdu. On s'est fait rouler dessus par l'armée. Ok. Bon, ça commence doucement à me faire chier là, quand même. Mais vraiment. Qu'est-ce que tu fous là-bas, putain? On est en train de perdre 2 ans. Juste, il faut juste attendre la fin de la guerre et comme ça prend 20 ans à légitimer. Bon, l'avantage c'est qu'on peut au moins payer les points. Bon, voilà, là ils sont bloqués ici. C'est très bien, on va avancer. Là, on va aller dire bonjour dans notre fort, avec notre fort. Tiens, on va prendre l'armée. Voilà, tu bouges vers le nord, il n'y a pas de souci. On va vers le nord aussi, nous. Voilà, tu retournes dans le fort, il n'y a pas de problème, on y retourne aussi. Ouais, bah commence vraiment à m'énerver lui. Pour éviter de faire le tour, je pense que je vais mettre un fort ici. Juste par principe, parce que ça me saoule. Ouais, vous savez quoi, on va en mettre tout de suite, comme ça, voilà. C'est pas le meilleur que j'ai choisi, mine de rien. Celui-ci serait quand même vachement plus intéressant. Alors que celui-ci. Ouais, c'était une idée moisie. Dégage. Oui. Voilà. Et ici serait mieux. Ou peut-être là. Là, il y en a un. Ah ouais, mais là, il y en a déjà un. Ouais, mais il verrouille pas celui-ci. Celui-ci, normalement, ils auraient pas dû passer. Hein. Il a peut-être été construit récemment. C'est vrai. Bah écoutez, on peut en mettre un là, mais il verrouillerait que ça ici. C'est celui-ci permettrait de verrouiller encore plus cette zone dans le sud, ou alors celui-ci qui pourrait verrouiller là et là. Celui-ci est mieux. Allez, vendu. Alors, plus un, non, agitation, oui, on payons pour être tranquille. Bon, tu sais quoi? Marche rapide et on va te dégommer parce que là, je commence à en avoir ras le cul. Ok. Continuons les conversions. Tu vas où? Ok. Voilà. Et là, on va te dégommer. Voilà. Tu vas sûrement aller là-bas. Ah oui, c'est vrai, le fameux bug du vaisseau qui veut pas sortir. Voilà, et là on va récupérer les miettes. Ils veulent même pas se défendre, fort bien. Ouh, on est d'accord si tu veux. Ça m'agace parce qu'en fait j'aimerais bien le découvrir cette putain d'île, mais on peut pas. Bon, après on peut se la garder pour la fin, mais bon. Bon, voilà. Et là il n'y a plus rien normalement. Ah bon, on est tranquille. Merci. Faut attendre que ça se termine d'être légitimé. Je pense qu'on peut paralyser, on gagne suffisamment d'argent. Ouais. Ça nous permet de monter par là. Mais là on peut pas envoyer de colons, je crois. Ah si, on pourrait. Mais on va te rappeler. Et là, on va t'envoyer. Non, il n'y a pas de province limitrophe. Très bien. Bon, pour aller ici, qui pourrait être pas mal. Ah là, c'est vraiment de la cosmétique, on comble les trous, quoi. C'est vraiment. Ah putain, je t'avais pas vu. C'est vrai, je t'avais oublié. Pardon. Bah écoutez, on a une armée à côté, autant aller là. Voilà. Envoyons une troupe. Voilà, très bien.
Des canons, oui, ça c'est une bonne idée. Bravo. Que des canons. Voilà. Donc encore une fois, on doit légitimer. On peut passer de tech. On en est à combien? 25. Non, j'ai pas trop envie. On a 25%. Ils sont tech 20... Ils sont déjà tech 27. Oh putain, les monstres quoi. Et les mecs, calmez-vous au bout d'un moment, s'il vous plaît. Bon, il faut vraiment que ça se termine d'être légitimé. En 42, putain, ça prend un temps, mais. Abusé, quoi. Un fort où on peut le level up, le fort. Je sais pas. Donc là, je pense que les prochains, ça va être eux, quoi. Celui-ci peut être pas mal aussi. Voilà. On va revendiquer tout un tas de choses chez ces messieurs. Là, c'était des vaisseaux lourds. Et là, c'était aussi des vaisseaux lourds. Bah, c'est très bien. Faisons des vaisseaux lourds. Oui, je sais que tu veux la paix. Moi aussi. Bon, enfin, non, moi, je la veux pas spécialement. Ah, je crois qu'ici, il y avait la flotte. Non, c'est bon, que c'était que des navires lourds. Très bien. Putain, ça veut dire que pour se battre contre l'Ottoman, il faudra aller jusque là-bas. On pourra pas. On pourra pas, c'est ça le problème en fait. Ça va être... Là, on va commencer à entrer vraiment en point de blocage assez important en fait avec les... avec l'impérialisme. Bon, c'est un pâté va bientôt être mis. Une fois qu'on termine ça, on se met à 100% à ce niveau-là. Ah bah 98%, il faudra juste serrer les fesses. Bah avançons un peu comme ça, voilà, c'est tout. Voilà, on sera à... Ah ouais, mais là on dépasse. Voilà. Et là aussi on dépasse. Donc il faut rester comme ça. Il n'y a pas quelque chose qui nous permet d'augmenter notre efficacité administrative, hormis la... C'est à nous, à nos dépendances en fait. African Power. As Congo. Donc c'est... D'accord, c'est vraiment tout le Congo, c'est pas nos vassaux. Donc là, on va arrêter de faire les vassaux. En plus, super, bonne idée. Donc même pas d'état client, rien de tout ça. Bon, on va accélérer un peu le temps. Hein. Voilà, on a plein de bateaux, on va en profiter. Voilà, on regroupe. Voilà. L'AMU fait partie de nous, très bien. Et on n'avait pas notre lourd qui traînait dans le coin. Là, on a 15 lourds. Très bien. Là, on a des lights. Là, on a un mec qui fait rien du tout. Là, on a un mec qui fait rien du tout. Tu sais quoi? Tu vas aller là-bas. Et toi, tu vas aller là. Ok? Voilà. Perte de rang en stabilité. Très bien. Choisissons un nouveau culte tout de suite. Ah, celui-ci serait intéressant, mais non. On devrait l'avoir maintenant, ce... Le succès avec les fétichistes. 13 cultes. Ah non, pardon. On en a approximativement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous en manque 2. 2. T'es quoi, toi? Ah, mais eux, ils sont pas... Ouais, comme c'est des provinces, ça va être un peu plus complexe. Là, c'est musulman, on aura déjà. Ici, on aura peut-être du catholique, si je me trompe pas, ouais. Ah, ouais. Et ici, peut-être... Ouais, ça sera du catholique. Musulman. Musulman. Ah, c'est pas sûr qu'on l'ait ce succès non plus. Parce qu'il faut qu'on soit limitrophe d'un... Vraiment d'un... De rencontrer, en fait. Ou sauf si on achète une compagnie de charte. Voilà, comme ça, là, on en découvre un. On pourrait ou pas? Un compagnie à charte. On est en guerre, tout ça, tout ça. Bon, peu importe. Du coup, bah c'est bon, on l'a choisi. Tu disparais normalement. Non, tu veux pas? Ah, on l'a pas choisi, autant pour moi. Bon, voilà, chopons la discipline en plus. Voilà, et là, les... Les messieurs vont commencer à partir. Voilà, on voit bien que l'Ottoman profite du moindre. Voilà, pâté fait partie de nous. Voilà, très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ça.
un peu de thunes du coup pour se préserver. On chope tout ça et puis eh ben, on verra la suite au prochain épisode. Ça va nous coûter quand même 500 points, ça va coûter relativement cher. Une coalition, bien évidemment que non, ça va. Donc, très bien, merci, au revoir. Voilà. Donc du coup, on va devoir tout légitimer. Hop, 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 hop. Voilà, bon, il va nous en rester encore, on va être en retard. On va attendre pour celui-ci, du coup. Ouais, on a. Oui, lassitude de guerre, ça devrait être bon. Bon, là, on a plus. Sa surexpansion, la lassitude de guerre. Bon, là, on a des points à lassitude de guerre, maintenant, il n'y en a plus. L'unité religieuse, d'accord. Bonne nouvelle. C'est très bien, convertis-toi, mon ami, convertis. Donc voilà, là, allons ici. Perte d'argent, ou alors. Oh, putain, combien d'argent on perd? Est-ce qu'il n'y a pas un petit, une petite bascule qu'on peut faire avec nos chers amis marchands? Non, on peut pas. On perdrait de l'argent. Un de mercantilisme? Non. Et 15? Ouais, bah ils vont faire la gueule. Et nos clercs. On pourrait chercher le soutien du clergé. Faire une donation généreuse. Voilà. Les nobles, on pourrait. Bon, on pourrait rien faire avec eux de particulier. Donc on va devoir continuer à légitimer comme ce qu'on avait vu. Nos rivaux, à savoir la France, est-ce qu'on pourrait les insulter? La réponse est oui, d'accord. Toi, je crois que t'es mon rival. Envoyer des insultes, oui, mais ça sert à rien. Voir. La Toscane, t'es mon rival. Si je t'envoie des insultes et je t'outrage, très bien. Donc faisons ça avec eux. Voilà, comme ça on repasse largement au-dessus. On va réinsulter la France quand on le pourra, quand on aura un diplomate à envoyer. Toi, tu vas revenir du Maroc parce qu'on va se rallier avec eux. La trêve avec le Portugal a expiré. Donc, du coup, Portugal. Non, je préfère m'occuper de eux. Clairement. Parce que si je te déclare la guerre à toi. Ouais, on pourrait prendre des territoires. Ça serait intéressant. Compliqué, mais intéressant. La Grande-Bretagne viendrait ou... Ouais, elle viendrait. Et toi, ouais, aussi tu viendrais. On se calme, voilà. Le fameux bateau que... Bon, ouais, c'est pas grave. Hop là. Donc on va réinsulter... On va s'allier au Maroc. Il se pose des questions, voilà. Pour le moment. Franchement, plus le temps passe, plus je... Il faut quand même toute l'Afrique, hein. Il va falloir faire des guerres vraiment dégueulasses, quoi. Bon, on peut s'occuper d'eux qui sont alliés aux Peuls, qui sont là, les Peuls. Ah, mais là, on va faire affaire à des putains de rebelles, encore une fois. On pourrait, comme on a des points, faire un petit coup de répression implacable. Mais 200 points, ça fait peut-être un peu cher. Haïr, répression implacable, ouais, ça, je peux le faire. Voilà, la rigueur. Aussi, répression implacable. Voilà, voilà. Voilà, ça nous permet d'augmenter notre absolutisme. Qui est pas trop mal, on pourrait renforcer le gouvernement. Voilà, deux, très bien. Comme ça, on augmente un peu notre efficacité administrative. Ouais, bah de 2%, c'est pas énorme, hein, vraiment pas. Il n'y a pas quelque chose, une doctrine toute bête qui nous permette de calmer le jeu, là, politiquement. Agitation moins un dans le pays, mais il faut avoir les doctrines défensives activées. Ouais. Bon, on n'y est pas encore, quoi. Ouais. J'ai mis des grosses réserves, de très très grosses réserves. Hein. Bon, l'avantage c'est que les peuls, on va pouvoir les manger en 2-2. Donc les peuls, je pense que si je découpe ça de cette façon, on pourra aisément gagner. Voilà, avec ce détachement de 10K pour les peuls. Et toi, ici pour eux. Non, alors 10, 8K ici, voilà, très bien. Et ta capitale est là-bas, ok. Donc toi, on va s'occuper de toi tout de suite. Conversion terminée, très bien. Ça a pété quelque part et j'ai pas regardé où c'était. Les particularistes là-bas. Ok. Allons-y. Ah putain, c'est vrai, il y a eux aussi à buter, mais qui sont alliés à l'Ottoman, bien évidemment. Après l'Ottoman, le Maroc viendrait, ça casserait l'alliance avec l'Ottoman. Ouais.
En plus, ici, c'est tradition berbère, c'est-à-dire que le coût de légitimation va être beaucoup plus cher, quoi. C'est. Oui, totalement. Ça risque d'être complexe. Bon, là, en théorie, ils peuvent pas passer, on est d'accord. Voilà. Nos amis là peuvent pas passer. Donc, si on déclare la guerre à ces messieurs, on règle le sujet tout de suite. Le Maroc ne vient pas. Impérialisme, bonjour. Voilà, tu vas à ta capitale, y a aucun problème. Toi, normalement, tu peux pas bouger. Oui, autonomie accrue. Voilà, c'est très bien. On va s'occuper d'eux tout de suite. Voilà, stack wipe, merci. Faisons le siège. Alors, attendez, faisons bien le siège. C'est un fort, ouais, c'est un fort de niveau 3, donc on s'en fout. Voilà, allons ici avec lui. On a rempli une mission. C'est toujours la même, on s'en fout un peu. Là, oui, c'est vrai, on avait 2K qui se baladaient en duel. Tu vas revenir ici. Toi, à la rigueur, ce que tu vas faire, c'est neutraliser les rebelles dans toutes ces zones. La corne de l'Afrique jusque là-bas. Voilà. Là, ici, ça va péter également. Très bien. Et là, notre armée va vers le sud. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Hop. Alors, il y a combien de provinces? Bon, on va se découper autant de fois qu'on peut. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu te resplits. Tu vas là. Toi, tu te resplits. Tu vas là. Et le dernier, tu vas là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Et là, on va aller à ta capitale. Comme ça, pas de problème. On va pondre un œuf juste avant. Ah, hop là. On peut passer de tech, pas tout de suite. Voilà, on s'occupe de ça, on s'occupe des peuls, on s'occupe de ça. On peut encore. Alors, les ordres font toujours la gueule, c'est très bien, faites la gueule. C'est pas mon affaire. Pour l'instant, ça, je m'en fous, 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 je m'en fous. À Kaffa, ça va péter. Non, tout de suite. Hein, répression implacable, 200 points, c'est pas utile. Donc là, normalement, si on regroupe tout, ça neutralise toujours les rebelles. On va recruter un général. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. On va voir ce qu'il vaut, ce nouveau général. Bah, au moins, il a le mérite de bouger rapidement. Très bien. Donc, on s'occupe de ça, on s'occupe de ça. Toi, tu vas aller là-bas pour éviter les problèmes. Voilà. On prend la capitale ennemie. Tiens, t'as un commandant qui est dispo avec deux sièges. Comme ça, le siège se termine encore plus vite. Esprit de corps, très bien. Voilà, 21%, 42. Toi, tu veux la paix, normal. Le cerf, ok. Victoire. Remontons. Oh putain. Ok. Deux gars. 3, 4. Voilà, hop. On se découpe. Toi, tu vas là-bas. Et toi, tu remontes à pâté. Voilà. On a pris le siège de Termes, très bien. Donc avec toi, on peut d'ores et déjà. Ah ouais, mais on est encore en train de légitimer. Laissez-moi deviner. Eh ben oui. C'est-à-dire qu'il va falloir paralléliser 150 guerres différentes. Tolérant. Seule vraie foi, très bien. Continuons les conversions. Bon allez, écoutez, hein. Pâté et Lamu. Alors attendez, si c'est Pâté et Lamu qui sont dans les mêmes territoires, on peut étatiser ça. Voilà, très bien. Étatisons. Mettons ça. Voilà. Ça, du coup, mettons bah, les clercs, voilà, comme ça on sera tranquille. Et là, on va mettre les bourgeois, les marchands, voilà. Et là, ici, pas besoin, on avait dit un zèle religieux, soit. Et là, du coup, voilà, la mue épatée, hop, et hop. Voilà, très bien, ça s'est plié. On peut remettre d'autres cultures en avant ou pas encore? Pas. On aurait la culture somalienne, ouais. Bon, écoutez, on a les points, on va en profiter. Voilà, comme ça permet un peu de temporiser. Voilà, ça fait des esclaves, très bien. On peut passer de tech. Bon, écoutez, on va attendre quand même. Hein. Entrepreneur privé. Gagnons un peu en corruption. Pour l'instant, l'argent, ça va. Pas ce qu'il y a de pire. On va continuer les revendications. Dans des territoires qui sont assez forts en termes de points. Voilà. Nous sommes bénis. Ah oui, bah c'est. Oui, j'en doute pas. J'en doute pas.
Construisons des forts, encore une fois, afin que l'ennemi ne puisse pas s'insérer dans nos territoires. Voilà. Un fort ici, très bien. Voilà, Kaffa, ça a pété. Normalement, tu devrais y aller. C'est très bien. Bon, on aura du. Non, on n'aura pas de séparatisme, il y a un siège. Très bien. Très très bien. Il faut attendre que ça se légitime. Ça. Toi, tu peux revenir à pâté. Voilà. Toi, t'es où? T'es là-bas. Oui, là, on avait tout découpé, on avait vu. Donc, revenons ici. Là, regroupons-nous. Hop, hop. Et là, on perd de l'argent, donc on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Et là, on va avoir. Ouais, et ça, il nous le faut, et on est en retard là. C'est en quand? C'est en 58. Ouais. On pourrait faire un focus. Ce pays nous insultait. Oui, bon, c'est pas grave, insulte-moi. On peut prendre une aptitude d'air, et ça, c'est toujours appréciable. Aspiration à la liberté par le niveau de développement, avantage des forts contre l'artillerie, engagement naval global, ça, je pense que ça va être ça qu'on va prendre. Voilà. Comme ça, on aura plus de puissance. Toi. Alors toi, en fait, concrètement. Où est l'autre armée? Toi, t'es l'armée principale. Bon, vous savez quoi? Tous ceux qui sont dans ce coin-là, venez là-bas, ok? On fera le tri après. Pâté, ça s'est soulevé, on était dessus, très bien. Quand ça perd un peu d'argent, parce qu'on ne protège plus le commerce à tous les coups, ce qui est compréhensible. Bon, là, on va se regrouper pour faire un peu de tri. Là, c'était machin. Là, mais putain, mais. Ah, ok, autant pour moi. Voilà. Tu peux y aller maintenant? Non, tu veux pas y aller. Bon, allez, vas-y tout de suite, parce que j'ai pas que ça à faire. Mais quand je te dis tout de suite, c'est genre marche forcée, quoi. Je l'avais pas mis dans la zone, putain. Bon, à 7% s'ils le prennent. Putain! Là, ça va coûter cher les conversions. Bon, les légitimations, c'en est où? Bon, ça avance progressivement. On va pouvoir faire la paix. Une fois que tout sera terminé. Ah, bah, bien évidemment, eux, ils le prennent en 20 ans, quoi. Ouais. Un en stab, puissance démissionnaire. Oui, bah, un en stab, clairement. Comme ça nous fait plus 3 de stab. Opération assez rare à notre époque. Ouais, c'est bien, ça permet de calmer. Voilà. Canem Bordeaux. Moi, bon, reviens ici au final. Colonie, ça s'est soulevé, ça s'est soulevé. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir terminer la légitimation une fois que tout ça, ça sera calmé. Très bien. Perte de en férocité. Oui, bah écoutez, pour ce prix-là, colonie autosuffisante, c'était celle-ci, très bien. Donc terminons, on va le te rappeler. Toi, on va t'envoyer, du coup, voilà. Ok, t'étais à côté, parfait. On prend un bon général, du coup, on y va comme ça. Toi, reviens au centre, fort bien. Neutraliser rebelles dans toutes ces zones, voilà, cette zone y comprise. Est-ce que seulement tu vas percuter? Non, bien évidemment, comme ça, on a de l'agitation. Faisons ça. Bon, putain, allez, vas-y, parce que là, je t'ai dit d'y aller, mais. Très bien. Bon, du coup, on peut faire la paix. Faisons la. Au global, ça passe ou pas? Oui, ça va passer, il n'y a pas de raison. Voilà, ça passe nickel. Merci, au revoir. Un détail de l'histoire. Ok. J'ai même pas regardé, ça nous ferait combien de surexpansion? C'est ça qui est génial. C'est bon, on est large. Allons dire bonjour à ces messieurs qui sont ici. Voilà. Légitimons ce qui a légitimé. Hop, 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 hop. Occupons-nous des miettes.
Oui, faisons ça. Ici, ça passe toujours. 133 par an, c'est pas mal du tout. Plus 100 de machin, c'est encore pas mal du tout. Là, ici, notre flotte est arrivée normalement. Très bien. Donc, on a quoi actuellement? On a 13. On a une flotte là qui protège au Cap de Bonne-Espérance. Donc là, moi, je veux que tu protèges le commerce en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tu te replies au port en cas de pépin. Tu peux faire ça pour moi? T'es un amour. Voilà. Très bien. Pourquoi on perd de l'argent maintenant? Ça a l'air déconseillé à maintenance des États. C'est-à-dire qu'on a un édit qui traîne, qui sert pas à grand-chose, où on est en train de convertir. Non, c'est bon, on a déjà tout converti. Donc cet édit-là ne sert à rien. La lutte contre la corruption peut-être nous fait mal. Non. Qu'est-ce qui s'explique? Qu'est-ce qui explique le fait qu'on prend cher? Les forts, je suis bien d'accord. Les colonies, la corruption 7, la maintenance des États. C'est-à-dire qu'on a un vieil édit qui traîne quelque part. Je ne sais pas où il est. Eddy ou autre. Hein. Parce que là, peut-être c'était notre armée qui sera approvisionnée. Voilà, très bien. Bon. Alors, comme ça calme le jeu. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que toi, du coup, Songhai, t'es bien Songhai, hein, tu revendiques les choses qu'on est en train de légitimer ou pas? Bon, on verra bien. On va déclarer la guerre à ces pleutres pour impérialisme. Voilà, salut à vous. Occupons-nous de ça. Prenons un autre général. Toi, t'es le 3 étoiles et le 4 de feu. Donc, toi, tu seras le 2. Très bien. Et allons là. Voilà. 1 en innovation plus 4. Non. Honnêtement, stop. Hein. On va arrêter ça. Voilà. Là, on peut à la rigueur pondre un œuf et aller leur dire bonjour. Aller leur dire bonjour. Voilà, très bien. On a pris Gao, c'était rapide, hein, effectivement. On se split, tu vas là, tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, et toi tu vas là. Voilà, une petite guerre rapide et efficace. Ouais. Wow, attendez, il y a eu un. Non, on occupe, on est bien d'accord, on occupe. Voilà, très bien. 100% de score de guerre. On est à combien sur expansion? 34? 30, 40%. Ok, très bien. Donc si je bouffe tout, on va aller quand même. Oui, c'est bon, ça passe. Ça coûte cher, hein, bien évidemment. Donc, guys, sans deck. Merci, au revoir. Hop là. Ça en comble les trous, il n'y a plus de problème. On va dire qu'en 7 ans, on a bouffé quasiment l'Afrique centrale et une bonne partie. Il nous restera ça à bouffer. Bon, ça devrait être assez rapide. T'as lié à Kaffa, ok. Nubie, t'as lié. Ouais, Nubie, t'es là, quoi. Très bien. Du coup, je pense que prochain épisode, on attaque ces messieurs ici. On a plein de réseaux d'espionnage dans leur tronche, donc on va en faire. Hein. Ça, on a un. Ok, 14. Peut-être là, c'est peut-être mieux. 8. 8, c'est pas mal, mais on n'a pas la portée. 9, là, c'est bon. Ben, on va prendre celle-ci aussi. Hop là. Ok, bon. Bon, vous voyez, c'est gérable. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est vraiment. Ça ne me fait pas peur en soi. On pourra grossir rapidement. C'est légitimé en plus, laissez-moi deviner. C'est légitimement, ouais. Ah, vous voyez le nombre de provinces qui nous reste là? Il nous reste 200. On n'a même pas fait la moitié. Bah, il nous en reste 200 à bouffer, quoi. Oh putain. Oh putain. Bon, après, il faut voir la taille des provinces. Oh putain, ouais, il faut voir la taille des provinces, quoi. L'Ottoman, ça se fera en 150 guerres, à voir. En 15 guerres, pardon, excusez-moi. En 15 guerres. Si on veut les bouffer, donc. Faudra aller jusque là-bas. Et on pourra pas aller à Constantinople, c'est ça qui est génial. Ça peut être une guerre sainte. Ça peut être une guerre sainte. Mais le problème de la guerre 5, c'est que c'est très 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 dangereux. C'est extrêmement dangereux la guerre sainte. Parce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on se faille sur. Faut pas que l'Ottoman soit plus puissant que nous. Militairement, la qualité des armées. Pas ça, est bien joué. Floride, France. Ah, France est revenue dans le top quand même. Hein. Et Ottoman, t'es où? Ouais, Ottoman, ça va, t'es pas aussi balèze que ça quand même. T'es gérable, je pense. Hein. On a toutes nos réserves militaires. J'aimerais bien terminer ces secteurs-là, en fait. Bon, ça va quand même.
On pourrait presque prendre. Terminer ça, ça pourrait être pas mal pour avoir moins un d'agitation dans le pays. Encore une fois, ça coûte rien. Parce qu'il nous manque les doctrines là pour avoir attrition des troupes ennemies. Ouais, privilégier ça en fait, hein. Bon, c'est vrai que celui-ci est bien aussi. Mais il faut la quantité, on l'a pas encore terminé. Ouais, on pourrait faire ça, moins un d'agitation, c'est toujours ça de prix, hein. Il nous faut juste ça pour qu'on le termine. Et encore, on pourrait l'avoir tout de suite, je suis sûr. Ouais, mais bon, on va éviter. Bon, enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hop là, continuons les conversions. Bon, là, je clique comme ça maintenant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, comme vous voyez, il nous manque à peu près 200 provinces. Ça risque d'être sportif, hein, parce que c'est pas du sable, ces provinces. Bon, là, le Nil, tout ce qui va être le Caire, le Nil, voilà. Ah, non, ici, ouais, voilà, 42 devs, le Caire. Ça va pas se faire tout de suite, hein. Il faudra faire peut-être des guerres en OCB à la fin. Bon, il reste, encore une fois, il reste 50 ans, c'est gérable, mais il faut pas qu'on... Là, il faut arrêter d'optimiser, quoi. Il faut faire guerre sur guerre, quoi. Il faut vraiment faire guerre sur guerre, j'ai l'impression, quoi. Quitte à, voilà, on n'attend pas que ça se termine, on y va comme ça. Afin d'augmenter l'efficacité, on peut baisser ça. Putain. Peut faire ça pour... Ça augmente l'absolutisme. De toute façon, quoi qu'on fasse, ça pètera. Donc, un peu plus, un peu moins. Voilà. Et là, du coup, on en a combien sur l'absolutisme? On est à 50. Qui augmente notre efficacité administrative de 20% quand même, hein. De 20%. Plus la tech qui est ici qui va nous augmenter de plus 10 mais qu'on ne peut pas avoir. Et pourtant on est à 12, hein. Cliquons là, voilà, comme ça on gagne 15. Ça fait pas beaucoup, ça fait beaucoup, je sais, mais il faut qu'on augmente ici, on n'a pas trop le choix. Bon, enfin bon, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à plus les gens.